parti pour la première. Le Qatar prit du pain, 1400 mètres à parcourir. Mount Athos a pris un très bon départ, comme le numéro 9, Ten Bob Tony, qui vient à la corde devant Sagir, accompagné par le beau Top Gear qui progresse, alors que le 2 Extra se retrouve au centre du peloton. Il y a le 8 Omicron, Kazakh Vert, qui vient à l'intérieur, alors que le 3 Bright Sky est en avant-dernière position. C'est le 6, le Dark Trooper, qui est en dernière position. Mount Athos, Kazakh Jaune, qui a l'avantage avec à son extérieur Top Gear qui vient en deuxième position, lequel est suivi par le numéro 1 Sagir. À son intérieur galope le numéro 9 Ten Bob Tony avec la favorite de l'épreuve Extra qui patiente à l'arrière-garde du peloton avec Bresky, le numéro 3 Omicron qui sont également à l'arrière-garde, et c'est pour le moment le numéro 6 Dark Trooper qui ferme la marche. La dernière ligne droite à 600 mètres du but avec Mount Athos, Top Gear à la même hauteur devant le 9 Ten Bob Tony, accompagné par Sagir qui vient devant Chartres, suivi encore par Extra, par le numéro 3 Bresky et par le numéro 6 Dark Trooper. Tabir qui prend le meilleur sur le numéro 4 Mount Athos, Sagir qui s'annonce. Nous avons juste derrière Ten Bob Tony, le numéro 9 Extra qui a du mal pour le moment à changer de rythme, et Dark Trooper, le numéro 6, qui tente de progresser à l'extérieur avec le numéro 7 Chartage. Avec Top Gear qui se relance encore devant Ten Bob Tony qui est en deuxième position. Top Gear devant Ten Bob Tony et puis à l'extérieur Dark Trooper, Top Gear qui va s'imposer. Ten Bob Tony est deuxième. La troisième place pour le 6 Dark Trooper. Et la victoire dans ce Qatar Prix du Pain pour Top Gear, le numéro 5 qui s'impose assez sûrement. Il contient l'offensive de Ten Bob Tony, le numéro 9 qui se classe deuxième. Nous avons Dark Trooper, le numéro 6 qui a bien terminé à la troisième place. La favorite, le numéro 2 Extra, et quatrième. Et la cinquième place qui échoue derrière au numéro 1, Sagir.